entendu, je présente les chroniqueurs parce que c'est vrai que ça fait partie, bien sûr, de la tradition. Et il ne reste plus que 6 émissions. Oh. 6 émissions, donc 7 avec celle-là. Si je compte bien. Ça veut dire que dans 7 émissions, vous pourrez tous voler de vos propres ailes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, d'habitude, vous ne faites rien jusqu'à 18h40. Là, toute votre journée ressemblera à ce que vous faites entre 8h du matin et 18h40, c'est-à-dire rien. Comment vous allez aborder les choses? Non, mais c'est vrai, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs comment c'est de ne rien foutre? Non, mais c'est vrai, c'est important. Et pourtant, d'être heureux et d'être content. Non, mais vraiment, vous, ça va? Ouais, ça va très bien. Alors, ça y est, on prépare Danse avec les stars? Ouais, des papiers aluminium. J'aime bien, mais vous êtes magnifique. C'est un peu festif. Ça va? Alors, ouais, vous travaillez l'émission, vous? Tiens, j'ai envie de savoir. Maintenant, on se dit tout, on est en fin d'année, on peut le dire. Vous travaillez l'émission? Déjà, j'ai vu le très beau film Fraté. Ça, on va en parler. Ça va, voilà, déjà. C'est pas du travail, c'est du plaisir. Oui, c'est du plaisir, mais c'est aussi du travail. C'est du travail. Et puis après, bah oui, mais bien sûr, je regarde le sommaire qu'on nous envoie, qui change au fur et à mesure de la journée jusqu'à 18h30. Ah, oui. Et puis après, vous verrez, quand vous serez productrice d'une émission à succès pendant 10 ans, vous comprendrez qu'il faut, 12 ans, vous comprendrez qu'il faut changer le conducteur, même à la dernière minute. Vous savez, les donneurs de leçons, ils n'ont jamais rien fait en télé. Vous savez, les donneurs de leçons, j'en ai vu passer en télé. Hein, ils m'ont donné des leçons et Anouna, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci. Ils sont quoi? Ils sont chez eux tranquillement. Hein, et moi, je suis là tous les soirs. Donc, s'il vous plaît, les donneurs de leçons, on lève le pied, hein, s'il vous plaît, hein, et on regarde ce qui se fait ailleurs. Merci. C'est énervé pour rien. Ouais, c'était pour aujourd'hui. C'était pour Gérard. C'est bien. Toi, moi, je pars très vite. Quart de tour. Je te dis, ah oui, je pars très vite. Non. Pour moi, Guillaume. Oui, moi, ma journée, c'était composée en deux parties. Le matin, je regarde des vidéos de vous pour le plaisir. Et l'après-midi, je travaille un peu l'émission. Quoi? C'est vrai? Ça va? Oui. Vous êtes heureux, vous, ici? Très heureux. C'est fou, hein? Faut continuer l'année prochaine? Parce que Guillaume va faire de la radio entre 6h et 9h l'année prochaine. 6h, 9h30, d'ailleurs. Produit par vous? Oui, on a signé 6h, 9h30. Je serai avec vous tous les matins. C'est vrai? Ah, bien sûr. Physiquement? Bien sûr, pour lancer l'émission. Ah ouais? Je serai là, je serai derrière, tu vois, derrière le casque. Fais attention. Ouais. Je serai là en ringard 2000, tu vois, Macramas, tu vois. Et tu connais les mecs qui jettent le casque à la fin d'une séquence comme ça. C'est bon, c'est dans la boîte, ça mue. Hein? Non, mais c'est vrai, je serai là. Pour les premières ou pendant toute l'année? Non. Les premières, et après, je les lâcherai, bien entendu. L'émission démarquant, 29 août. Non, la semaine d'avant, je crois. 22 août, exactement. Je serai là à partir du 5 mai. Bien entendu, comme tout à chacun. Voilà, vous inquiétez pas, mais vous savez que je vous écouterai. Voilà, et pas que d'une oreille. Vous êtes heureux? C'est dingue, parce qu'il faut que vous sachiez, Samir et Thomas, que lui, il est vraiment chauffeur-livreur. D'accord. Il démarre vraiment, c'est pas une vanne. C'est-à-dire, lui, le matin, il va chauffer, il va livrer. Ouais. Maintenant, il fait plus chauffer que livrer, mais vu qu'il fait un petit peu de téloche direct, et je te jure que ça, c'était un pull, t'osais pas le mettre il y a 2 ans, ça. Non. Quand t'étais vraiment, je te jure. Là, aujourd'hui, ça y est, tu deviens bobo. Love, non, mais sans déconner. Love maker. Non, mais c'est vrai, ça c'est un pull, tu vois, tu le mets, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Ce pull, c'est pas toi. La styliste, elle m'a dit, mets ça. Mais la styliste te dit n'importe quoi pour t'envoyer dans le mur. La styliste ne reste qu'une chose, c'est de prendre votre place. Vous croyez quoi? Vous croyez que la styliste, comme la maquilleuse, comme les coiffeurs, ils se disent quoi? Quel talent ils ont? Pourquoi c'est pas moi à leur place? Mais oui, et ils ont raison. Mais c'est vrai, vous savez le record de danse, vous savez quoi? J'ai fait avec des gens du public. Mais oui, c'est fou. Et personne ne se pose la question. Personne se dit à un moment, pourquoi celui-là? Non, les mecs sont contents, ils viennent, voilà, tranquille. Ouais, t'as raison. Je lui ai dit, je vais pas avoir un peu chaud? Elle m'a dit non. Ça va, alors toi, tu... Vraiment. Vraiment, je vais te dire un truc que je ne pense pas. Je te trouve de plus en plus beau gosse. C'est vrai. Mais c'est vrai que... vraiment. Parce que c'est un truc qui me vient dans la tête. Mais vraiment. Et je me dis non, c'est pas... Non, je te jure que t'es très beau là ce soir. C'est vrai. J'aime bien. Ça te va très bien. C'est gentil. On est mardi. Ouais. On en repart jeudi. Ça va, vous? Eh, ça va? Oui. Sans rigoler, on dirait qu'une meuf au guichet du LCL. Sur ma vie, on dirait que je viens retirer un chéquier, mon frère. Ça va, un truc de fou. Non, mais vraiment, on dirait que je viens retirer un chéquier en 92. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment un truc de ouf. Ça veut dire là, tu fais un voyage dans le temps, mon frère. Tu vois la meuf, elle est hâte. Ah ouais, tu te dis, ouais, t'as un moment, là, elle va te parler de Mitterrand, tu vois, c'est un truc de ouf, quoi. Tu vois, t'entends des discussions dans la banque, c'est, vous avez vu, le chômage, ça commence, on commence à en parler, là, les gars, hein. Oh, ça commence, t'as vu, le nouveau titre d'Eddie Mitchell, couleur pantalon, ça va faire parler, hein. Non, mais sans déconner, c'est un truc de fou, on fait un voyage dans le temps. Mais en plus, vous êtes dans le vrai, parce que ça, je l'ai retrouvé, je l'ai acheté il y a très très longtemps. Ah, mais ça se voit, t'inquiète. Ça se voit. Ah non, ça se voit. Ah non, vraiment,
la meuf de la massif. Ah ouais. Non mais sur ma vie, frère. Attends, c'est joli, mais c'est quoi ça? Mais en plus, elle a pas perdu le bouton. Normalement, le gars. Moi, je suis tunisien, frère. Je ressors une veste, bien, Hasra. Je vois la veste, le bouton idéal, la se lever. Toi, c'est un truc de fou. Non mais c'est vrai. C'est comme toi. Sur ma vie, toi, sans rigoler, on dirait Hibernatus. Mais c'est vrai. Non mais sans déconner, ça veut dire la note, sans rien, on dirait qu'on l'a mis. Ça, de laver à la main. Elle lave à la main, c'est vrai qu'elle lave à la main. Ça va, ça va, toujours heureuse. Oui, toujours. Bah c'est normal, hein. Ça va. Le matin, moi, j'attends de savoir si vous allez m'appeler pour venir l'après-midi, enfin le soir. Et l'après-midi, je remercie parce que je viens ici. Donc moi, c'est je comprends rien de ce que tu dis, mais c'est sympa. Vous nous demandez ce que je faisais de la journée. Vous nous demandez ce qu'on fait de la journée. Bah t'attends que je t'appelle pour savoir si tu vas venir le soir. Et après, je remercie. Généralement, t'es tout le temps là en ce moment. Oui, bah oui. C'est la seule qui est gratuite. Je vous dis en plus, c'est vrai. Je vous dis en plus, c'est vrai. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Elle est gratuite parce que comme elle, je la paye pour. En fait, je sais pas ce qu'elle fait. En fait, quoi. Non mais là, je sais même pas ce qu'elle fait. Vous êtes dans la société. Parfois, je la vois passer comme ça. Je la vois passer devant mon bureau. Je sais pas ce qu'elle fait. Je sais même pas. Donc, elle est payée en fait à travailler. Elle travaille dans notre société de production. Tu fais quoi? Non mais tu fais quoi? Parce que j'aimerais bien savoir. Maintenant, en ce moment, je fais. Non mais donc tu fais. C'est un gros boulot. Non mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu faisais quoi avant? C'est quoi ton cheveu? Il y a pas marqué quoi sur ton contrat? Sur ton contrat, il y a marqué quoi? Je sais même pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué quoi? C'est vrai? Si je crois. Alors, t'es même pas SAR dans la société? En haut à droite. Pourquoi SAR? Ça sert à rien? Non, mais pour savoir. Non, mais pour savoir, voilà, je veux savoir. Non, t'es rien. Mais en CDI? Moi, j'aide un peu tout. J'aide un peu tout. T'es en CDI? T'es en CDI? Non, je suis en contrat à l'année. Ah ouais, à l'année. Ah donc là, ton contrat n'est pas signé pour l'année prochaine. Non. Bah, t'achètes pas trop de fringues. Hein. Vas-y, mollo, parce qu'on sait pas si on va te re-signer. Vas-y, mollo, sur les fringues, sors plutôt de mes affaires. Hein. Je te le dis. C'est beau, un licenciement en direct. Ah, c'est beau. Voilà. Ah, Gilles Verdez, ça va? Très bien. Toi aussi, hein, je te jure, tu fous la race, frère. On dirait un gars qui va au Mandrak d'Or, mais qui est juste invité, mais sans rigoler. Non, mais t'es horrible. C'est horrible, mais... Non, excuse-moi. Non, mais excuse-moi. Mais horrible, la tête je ou sais les pas, habits t'as ton personnage est gênant. Ton personnage est gênant. Je dis la vérité. On est en fin d'année, je dis les choses, j'en ai rien à foutre. Tu es gênant, je sais pas pourquoi. Moi non plus, je sais pas pourquoi. Mais je le verrai pas, voilà. Vous le verriez comment? Je le verrai pas, c'est une personne. Si elle travaillait pas avec moi, j'aurais jamais parlé. Mais c'est vrai. C'est vous qui êtes venu me chercher dans la rue. Oui, bah oui, bah excusez-moi, un moment d'égarement. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Comment il va? Très bien. J'ai hâte de parler de Fraté. Hein. Ah ouais, on va en parler. Non, t'inquiète pas, on va faire 20 minutes sur Fraté. Ah ouais, moi vivant, on fera 20 minutes sur Fraté. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux? Rien. J'ai adoré le film. Tu vas en parler dans un instant. Ah oui. C'est quoi? Pourquoi? Pourquoi quoi? Je sais pas. Mais je sais pas moi non plus, mais qu'est-ce qui vous gêne? Mais je sais pas. On dirait un gars qui est invité au Grand Cabaret, mais ça n'existe plus. Non, mais c'est vrai. On dirait un gars qui cherche Patrick Sébastien dans le parc, on l'adore avec toi, ces gens, mais non, il n'y a plus, frère, il n'y a plus. Sans la pochette, ça ira mieux déjà. Mais c'est, ouais, enlève la pochette. Enlève la pochette. C'est tout ce qui fait l'élégance. Ouais. Non. Vous voulez que je vous dise mon sentiment? Oh là là. Oui. Vous voulez que je vous dise mon sentiment? Vas-y, donne ton vrai, c'est vrai. J'ai un peu l'impression, jusque-là, vous m'aimiez bien, mais que là, vous amorcez le fait que vous cherchez à vous débarrasser de moi. Si seulement. Inch'Allah. Il est perspicace, et je vais vous dire, parce qu'il a l'habitude avec Fatou. Ouais. Non, mais alors, non, hey, je vais vous dire, chaque fin d'année, vous êtes viré. Oui. Et après, je vous reprends en octobre. C'est vrai. Donc, bah, ça sera pareil. Tu sais que tu peux être en vacances jusqu'en septembre. Tu sais que j'aurai. Voilà, je vais. De toute façon, je vous dis la vérité. Je vais être avec les équipes en fin d'année. Gilles Verdez, flemme quand même un peu, non? Hein? Non, mais tu vois, ça va être ça, flemme ou pas flemme. On le garde. Laissez-le se reposer en septembre. Hein. Il a un mariage à préparer. Ça fait 10 ans que je dis ça. Mais je pense que cette année, c'est la bonne année. Et tu reviendras en octobre. Parfait. Donc, bah, t'es heureux? 13 heures. Bah, toujours quand de je vous De toute façon, n'essaie pas de prendre un rendez-vous avec moi cet été. Hein. Ah bah non, alors là. Non, mais tu l'auras pas, je te dis. Pas, c'est bon. Désolé, je vais vous dire, personne ne prend rendez-vous avec moi cet été. Ah, c'est Lionel Stahl. Lionel Stahl, le directeur général d'H2O, vous parlera et vous donnera les bonnes comme les mauvaises nouvelles. D'accord. Voilà, vous êtes heureux. Et on le saura comment, les mauvaises nouvelles. Vous le saurez. Généralement, les mauvaises nouvelles avec nous, vous les savez si on ne vous appelle pas. voilà. Okay. Donc, mais si personne ne vous appelle au 1er septembre, c'est que vous savez qu'il faut chercher ailleurs, bien entendu. C'est pas un peu tard, parce que moi, j'ai toujours entendu dans le métier de la télé, tout ça, c'est comme dans le football, mais avril-mai, faut déjà avoir. Alors, les mecs, attends, tu es en train de comparer au football. Tu vois vraiment Mbappé ici, toi. Non, mais frère, non, là, mais c'est que des mercato, joueurs qui sont hors contrat. Pour faire le lien avec le mercato. Oui. Normalement, c'est avril-mai, on déjeune, on prend des rendez-vous pour l'année prochaine. Oui. Bon, nous, personne ne nous a appelés. Mais les gars, je vous le dis,
On est fin juin bientôt. Si là. Vous êtes appelé par une tierce personne. Ouais. Allez-y. La première chose à faire, décrocher. Ah oui. La deuxième chose, allez au rendez-vous. Non, mais on vous tient au courant quand même. Non, ne vous emmerdez pas. Il y sera déjà. Ne vous emmerdez pas. Trois, tentez votre chance. Oui, mais on n'ose pas. Mais non, mais osez, osez, osez. Moi, je vous le dis, je pense vraiment que vous avez une grande carrière. Ah, c'est gentil, ça. Devant vous, mais pas au sein de ce groupe. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, et vous me demandez, voilà, d'accord. Vous pourrez me demander mon avis, oui. J'ai une autre thèse, moi. Parce oui, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je pense que vous nous aimez tellement... Oui. Vous nous voulez tellement pour la rentrée, oui, que vous nous poussez jusqu'au bout. Vous allez nous appeler en août. Comme ça, on aura dit non à tout le monde. D'autres propositions. F1, M6, et on n'aura plus le choix que de venir avec vous. Alors, je vais vous dire la vérité. Je vous dis, si l'un d'entre vous a une proposition, quelle qu'elle soit, qu'il y aille les yeux fermés, comme Castaldi, d'accord ? Je vous le dis. Vous ne le pensez pas. Mais fiction pure. Imaginez qu'on a tous quelque chose. Même un tout petit truc. Et on part tous. Ah mais oui. Bon débarras. Alors je vais vous dire, c'est rien. Vous savez, une équipe. Alors je n'aurais pas un pansement au cœur pour au pas moins du tout. L'un d'entre nous. Pas du tout. Terminator déteste qu'on le quitte. Je serai heureux pour vous. Je serai heureux pour vous. Et si je peux vous aider à partir, je le ferai. Je vais commander le VTC. Non mais vraiment. Et c'est pour ça que je vous aime. C'est-à-dire que moi voilà, j'aime. Voilà, j'ai envie de vous lancer. Voilà. Moi je pense c'est vrai. D'accord. Ok. D'accord. Du coup ça bloque les autres chaînes. Oui mais tu fais chier tout le monde. Je fais chier tout le monde.